Salut tout le monde, je suis encore en Belgique et là je suis à Reef Corner, le shop dont tout le monde me parle depuis plusieurs années et où j'ai finalement eu le temps et l'occasion d'aller voir. Et franchement, je vais essayer de vous faire profiter un maximum de ce moment que j'ai passé avec Théo, et tout ça c'est dans la suite de l'épisode. On est dans la partie technique de Reef Corner. Ici, tout le magasin est divisé en 4 systèmes différents et chaque système est équipé d'un écumeur, un réacteur à calcium et un filtre à défluidiser où il y a de la résine antiphosphate. Et sinon, il n'y a rien de plus. Donc, ce que Théo m'expliquait, c'est qu'il a à peu près le même système de chauffage aussi que Urban Reef. Donc, vous pouvez aller voir ça dans la vidéo. Donc, c'est une sorte de tuyau qui passe à travers et qui chauffe tout. Donc, il va chauffer tout le système. Et sinon, il ne fait rien de plus. Il rajoute quelques acides aminés et des nutriments pour les LPS justement. Mais autrement, il apporte vraiment beaucoup de nutriments avec aussi les imports qu'il fait à longueur d'année. Donc il fait tout au sel synthétique. 80% est fait avec du sel tropique marin. Et sinon, les 20 autres % sont faits avec le sel Reef Crystal de Aquarium System. Là, on peut voir quand même que c'est une maintenance extrêmement simple avec juste ce que l'on peut avoir dans nos aquariums à nous, avec en plus aussi des pierres vivantes, donc qui sont destinées à alimenter le système, mais aussi à être à la vente pour les clients. Vu qu'il y a beaucoup de monde dans le magasin aujourd'hui, je vais faire beaucoup de plans batterie par batterie pour vous montrer un peu tout ce qu'il y a dans le magasin et faire aussi des shots macro au maximum en essayant de vous rendre le mieux les couleurs possibles. Je suis désolé, mais je fais ce que je peux parce que le magasin est quand même blindé depuis que je suis arrivé. Ça fait quand même 2h30 que je suis là à faire quelques shots, etc. Mais franchement, ça vaut vraiment le coup de venir. Ici, on est dans la partie où il y a tous les moules, les Ricordea, les Discosoma, etc. Et là, on peut voir ici les fameux Jawbreaker. Donc, je vais essayer de faire un petit plan dessus. Donc, ce sont des Discosoma qui sont extrêmement rares et qui sont à la mode en ce moment. Il faut savoir que ce petit Discosoma, là, par exemple, il va sortir entre 1000 et 1200 euros. Donc, c'est vraiment des champignons qui sont extrêmement rares, mais qui ont une coloration de fou. Là, je vais essayer de faire un rendu sur la vidéo en vous mettant le mieux la coloration que je vois à mes yeux. Mais là, c'est quelque chose qui ressort énormément. Donc, il faut savoir que tout ici est éclairé sous bleu. Là, on peut voir beaucoup de Ricordea Yuma avec des colorations vraiment exceptionnelles. Des petits Scolymia. On va avoir vraiment, vraiment de tout ici et on en prend plein les yeux. Donc là, on peut aller voir plutôt du côté des Rhodactis avec beaucoup, beaucoup de couleurs, des très gros Discosoma. Et c'est vraiment ce bac-là, il va faire plaisir à pas mal de gens. Il n'y a pas beaucoup de Zoanthus ici, mais autrement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de champignons. Ici, on arrive sur un aquarium où là, on va avoir vraiment beaucoup de Trachéphilia et de Walsophilia. Donc avec des grosses colorations comme celui-là. Celui-là aussi, le rouge. Après, il y a beaucoup de vert, mais des pièces qui sont majoritairement aussi grandes que ma paume, voire plus. Donc là, on arrive sur de très grandes pièces. On a juste quelques petites pièces ici, des petites Trachéphilia. Là, si on va par là, on va avoir du Goniopora, on va avoir un petit peu de Zoanthus, des Euphilia comme partout. Là, on peut voir un Ancora qui est énorme, qui est plus grand que ma main. Et là, bah pareil, si on continue par là, un peu dans le fond, et ben voilà, on a un Rhodactis qui est plus grand que ma main. Pour les fans de Philia, là, on a ce qu'il faut. On a toutes les couleurs d'Ancora qui se baladent là. On a même un petit Golden derrière que j'arriverai pas à vous prendre en vidéo. On a tout ce qui est torche corale. On va avoir du Yaya Menzies dans le fond. Toutes les couleurs sont représentées ici et c'est assez hallucinant. Si on continue, on a que du SPS à côté, avec quelques petits poissons pour l'entretien. Mais par exemple, un chalice qui est énorme. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Donc encore des Trachéphilia, avec de superbes Incantophilia ici, avec du Lobo qui se cache derrière, etc. Quelques Acanthastrea, vraiment de tout. Et si on va à côté, et bien là, c'est la folie c'est la folie encore du LPS, des Acanthastrea, de tout. Il y a même une anémone carpette là, avec ses deux petits clowns.
Et là, on est encore dans une autre section où on va avoir aussi des oanthus, un peu de mou. On va avoir quand même des durs au milieu, donc avec aussi des fungia. Il y a beaucoup de fungia, des montipora, des porites. On peut voir pas mal de petits oanthus sympas, des hutter chaos là. Il y a vraiment, vraiment, vraiment de quoi se régaler. Avec, dans le fond, si vous voyez là, un petit Crisus, un Alico RS Crisus qui s'est baladé pour la maintenance et les planaires, etc. Là, on est dans le bac du milieu et regardez-moi la taille de ce corail. C'est gigantesque. Il est plus gros que ma tête. Là, on peut voir plein, plein de lobos. Tout là, avec des colorations qui ressortent forcément sous les bleus, mais qui sont assez impressionnantes. On peut voir tous les catalaphilia ici, là. Là, c'est la batterie du milieu. On va avoir pas mal de SPS. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Là, on arrive dans la batterie qui me fait de l'œil à n'en plus pouvoir. Là, on arrive dans la batterie où moi, je n'en peux plus. Donc des acanthophilia de fou avec des couleurs de fou. Là, je sais même pas lequel choisir. Vous voyez, je me suis accordé un budget pour m'en acheter un. Et là, je sais pas. Il y en a encore à côté, avec aussi du chalice, donc de l'échinophilia, avec de l'échinophilia encore ici. On peut voir dans le fond une superbe Fabia Christmas. Si on va dans le bac à côté, et ben là, on retrouve encore des LPS, avec des Walzo, des Acanto encore à côté, des Symphilia, tous les Goniopora, les Alveopora. Donc là, on a de super spécimens, là, un super alvéopora. Là, on peut voir un goniopora mini flower aussi. Il y en a un autre qui est tout jaune orangé, là, qui est super mignon. Et là, si on continue, on se retrouve encore avec de l'acanthophilia, avec un grade assez impressionnant, une taille aussi impressionnante, hein, forcément, parce que celui du fond, là, il faut savoir qu'il est plus gros que ma tête aussi. Là, ils font tous 15 cm au minimum, voire 30 cm au maximum. Donc, c'est vraiment d'énormes pièces. Et ça continue encore et encore. Si on va dans le bac d'à côté, on en a encore. Et là, on peut voir qu'ils sont gonflés à mort et qu'ils sont vraiment en extrême pleine forme. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Et là, on est dans le bac des Acanthastrea. Donc là, on se retrouve avec d'énormes pièces d'Acanthastrea. L'Ordowensis, c'est énorme. Il y en a partout et il y a toutes les couleurs. Et alors, celui-là, le bleu et jaune là, il est vraiment dingue. Il est vraiment dingue. Si on continue après, on va avoir quelques petits scolinia, dont celui-là qui est superbe et qui ressort vraiment aux couleurs. C'est la fin de cet épisode, donc j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, je tiens vraiment à remercier Théo pour m'avoir accueilli ici et m'avoir permis de filmer et justement vous apporter toutes ces images que j'ai essayé de vous retranscrire au mieux. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez l'occasion de venir en Belgique, passez par Rive Corner, même juste pour voir, parce que ça vaut vraiment le coup. Moi, je suis stupéfait. Là, j'ai 10 heures de route à me taper pour rentrer jusque chez moi, mais franchement, je suis vraiment content d'être venu. En tout cas, continuez à nous suivre, likez la vidéo, abonnez-vous et à la prochaine sur Recifal News.